Alors, cette exposition a été conçue par Henri Cartier-Bresson et Robert Delpierre à la fin des années 70, alors que Cartier-Bresson avait envie d'arrêter le reportage et de retourner vers le dessin, qui était quelque chose qui l'avait toujours intéressé dès le début de sa carrière. Donc ils ont fait un choix qui est basé sur la qualité des images et non pas sur la chronologie et sur les rapprochements de formes entre les différents visuels. Il y a 133 tirages gélatino-argentiques, ce qui est assez rare aujourd'hui puisqu'on a plutôt tendance à voir des épreuves numériques qui sont donc fragiles et qu'il faut préserver dans des bonnes conditions, ce qui est le cas dans ce musée. Et puis vous trouvez aussi, comme c'est quelqu'un qui était un grand lecteur, qui écrivait très bien, certaines phrases et propos rapportés de Cartier-Bresson qui sont sur les murs. On est face à des œuvres particulièrement importantes pour l'histoire de la photographie, mais aussi pour l'histoire de l'humanité. Des œuvres de Cartier-Bresson réalisées entre les années 30 et la fin des années 70. Des œuvres qui présentent le parcours d'un artiste si particulier, un artiste qui a été considéré comme l'œil du siècle, un artiste qui a saisi des moments particulièrement importants de l'histoire de l'humanité. Juste une rencontre avec Randy et quelques moments après, Randy a été assassiné. Une rencontre avec, il a couvert des moments importants et intenses de l'histoire de l'humanité. On a mis cette exposition en place après la réouverture des musées, bien évidemment, et en même temps après avoir réalisé notre activité autour de la photographie pour pouvoir la contextualiser et la mettre dans l'événement global qui a été dédié à la photographie. Je fais allusion à l'exposition de Malik Sidibé, L'Afrique et Rancinon, donc qui sont des photographes qui produisent actuellement des œuvres d'immense taille, etc. Et en même temps, il fallait montrer la naissance de la photographie consciente, de la photographie avec un artiste qui a commencé par être reconnu aux États-Unis, et après il a fini par s'imposer et imposer la photo comme art entier. Cette exposition, on pouvait constater comme elle est belle. Elle est belle parce qu'elle est faite avec le cœur. Tout ce qui se fait à la Fondation se fait avec le cœur. Et ce parcours exceptionnel, vous savez, quand j'ai visité pour la première fois cette exposition, j'ai eu la chair de poule, j'ai eu une émotion qui m'a parcouru. Et donc, c'est très 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 beau et je pense que les Marocains vont être fiers et heureux de voir qu'une exposition d'une telle importance, d'une telle scénographie puisse se faire au Maroc.